quoi, vous l'êtes toujours avec elle ou pas? Non, c'est fini. Ah, ça l'est dommage. C'est la vie. Okay, mais la vie, des fois, on peut rester longtemps avec une personne. Un peu. Ouais, mais bon, il y a des choses, il y a des amours impossibles, tu sais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Ça arrive. Après, vous n'aurez pas de problème de trouver quelqu'un. Vous l'êtes jeune et vous l'êtes beau. Ah ouais, j'espère. Voici. Vas-y. Je vous l'en prie. Contactez-le de savoir si... où est-ce qu'il veut que l'on aille. On voit rien avec le mode cinématique. Hein? Oui, contactez-le de savoir où est-ce qu'il veut que l'on aille. Il m'a pas donné la suite de plan. Ok, je l'appelle. Qu'est-ce qu'il vous l'a dit? Merci, je suis dit toi, merci beaucoup mon ref. Je te réponds après, je regarde. À côté, je pense que ça doit être à côté. Ouais, il m'a pas répondu le poteau. Ok. Il neige ici. Ouais, ça a l'air un petit peu étrange, effectivement. Mais vous savez, c'est le climat tropicaux. On sait jamais de quoi ils sont faits. Oui. Ça va d'aller. Patron! Le jetpack, il va nous foutre là, c'est pas pareil. Oui. Nos invités. Ah, mais. Ah, je vois moi ça. Merveilleux. Salut, Ricky. Salut, Wesley. Yo, le nom. Content de te voir. Plaisir partagé. Bienvenue à Cayo Perico. C'est où ici, c'est sympa ici, tu verras. On est au Mexique. Là, où il n'y a pas réellement de loi, ou du moins, la loi, c'est l'homme. Qu'il l'a fait directement, tu comprends. Vas-y. Ouais. Tu accompagnes Tony, s'il te plaît. Merci. Ça va, Wesley? Ça va, et toi? Mamas. Ça va, ça va. Eh, hey, t'es un bon. Toi, tu fais toujours ce qu'on te demande. T'es un bon, Wesley. Bien sûr. Tu fais en sorte de ramener Tony, ok? Ok, ça marche. Tu t'occupes de lui et tu le ramènes ici. Ok. Parfait. Vas-y, ramène-moi, Wesley. Viens, viens. Non, toi, tu me suis pas. Non, pas toi. Wesley, Ricky. Ouais. Ça l'aide de moi qui parle. T'es venu tout seul? Ouais. Qu'est-ce que t'as fait pour récupérer ces lingots? Braqué le Pacifique. T'as braqué le Pacifique? Ouais. Pourquoi tu dois braquer le Pacifique pour récupérer des lingots? Que je veux sauver Poppy. Entre toi et moi, est-ce que tu en as quelque chose à foutre de Poppy actuellement? Écoute, tu m'as demandé 4 lingots. Je te les ramène. Moi, j'ai rien à voir avec ton histoire de lingots. Maintenant, s'il faut que je ramène des lingots pour sauver Poppy, je les ramène. J'ai rien à voir, encore une fois. Hein? Je te repose la question une dernière fois. À ton avis, j'aurais pris le risque de braquer la Pacifique alors que j'aurais 4 lingots chez moi? Je te dis que c'est pas moi qui les ai acquis. Redescends le ton que tu utilises avec moi, Wesley. Je suis en train de te demander une dernière fois la question. Tu as récupéré ces lingots. Félicitations. C'est 4 lingots. Mais le problème, c'était pas 4 lingots que j'ai demandé. C'était quoi? C'était tous mes lingots. 4 lingots, c'était simplement pour entrer dans ton putain de cerveau, pour voir à quel point tu voulais me baiser. Tu comprends ou pas? Et là, t'es rentré dans le vif du sujet. Tu as dû me chercher dans une banque des lingots. Bah ouais, c'est ça. Je crois que c'est le moment des rencontres et des félicitations, etc. Je te débarrasse de ça. Donne-moi les lingots. Tiens. Parfait. C'est merveilleux, petit.
Très bien. Allez encore en fille. Allez, quelques griffures par-ci par-là. Ça va ? Ça va, ouais, ça va, ça va. Écoute, t'inquiète, ça va se finir. T'inquiète, reste là. Bon, bah, on va le deal là. Bientôt. Tu m'as dit que tu n'avais rien à me dire. Du coup, j'ai mené ma petite enquête. Et tu sais quoi ? Ta petite amie nous a aidés. Tu m'as pas dit que t'avais des entrepôts, petit. Hmm ? Tu m'avais caché des choses. Et tu sais où est Alénie actuellement ? Ou quoi ? Dans les entrepôts. J'espère que tu caches rien. Tu peux venir avec moi, dans des entrepôts. Non, j'ai pas besoin d'aller avec toi, Denis est en train d'y aller. Et si, par malheur, je trouvais n'importe quoi qui pourrait m'appartenir, sein de tes entrepôts, que ce soit celui-là ou un autre. J'ai rien à me reprocher, Ricky. Je sais que t'as rien à te reprocher. Je te laisse discuter avec ta... ton ex dulciné, désolé. C'est pas dulciné, c'est l'ex dulciné, mais j'adore. Mets-toi un peu avec elle et discute, ok? Ça va? Ouais, ça va et toi? C'est quoi le bail de l'entrepôt, là, qui me raconte? Je sais pas. Et toi? Mais je sais pas. Putain. Qu'est-ce qui t'a fait ce matin? Pourquoi t'as la tête tout en sang? Parce que ça fait 3 jours que je suis avec la panthère. Que je suis avec Magara. Écoute, je suis venu là. J'ai braqué la Pacifique. Donc t'inquiète pas que tu vas repartir avec moi. Écoute-moi bien. Je vais ramener ces 4 lingots. Tu vas repartir avec moi. Je vais t'emmener à l'hôpital. Jusqu'à ce que t'ailles mieux, ok? Mais... Écoute. J'ai fait ça parce que j'ai qu'une parole, ok? Ouais. Donc, à chaque fois que j'étais avec toi, je t'ai dit que c'était dangereux. Regarde, c'est quand on est... Et voilà où on est. Voilà. Voilà pourquoi. Écoute-moi bien. Maintenant, tu restes calme. Je vais nous sortir de là. Te mets pas en danger, laisse-moi là. Écoute. Si tu me laisses là, s'il te plaît. Tu mets pas en danger. Écoute, pour moi, okay, je pars pas là sans toi. Tu stresses pas. Mais non, tu mets pas en danger. Repars écoute, là, c'est pas grave. Je repars d'ici avec toi et tu iras à l'hôpital et je t'emmène, ok? Je me gère lui, là. Okay. Je le gère. Donc, tu l'es de merde. Et c'est quoi le truc de l'entrepôt que tu lui as dit? J'ai juste dit que je vous ai croisé à l'agence et que vous étiez en train de louer un entrepôt, c'est tout. Ok. Fais chier. J'avais pas le choix. Ok. J'avais vraiment pas le choix, mais c'est pas grave. De toute façon, y a rien dans l'entrepôt. Correctement. J'espère que je vous ai pas foutu dans la merde. C'est pas moi qui ai ces lingots, c'est pas moi. Est-ce que tu m'entends? C'est qui dit ça? J'ai pas ce qu'il me raconte. J'étais même pas là, on était en train de se prendre la tête. Tu te rappelles? Le jour où son cambriolage il s'est fait, on était en train de se prendre la tête au bord d'une voiture. Ça te dit rien? Et après il y a eu la guerre, donc j'y étais pas. Maintenant il croit que c'est moi parce qu'il y avait un putain de bob. Et l'entrepôt, y'a rien. Donc on a rien à se reprocher, ok? Donc on va repartir. T'es sûr que tu vas pas être en danger? Écoute-moi. La seule qui est en danger, c'était toi. Et là, tu vas plus être en danger. Laisse-moi juste gérer les derniers trucs. Ouais, mais tu mets pas en danger pour moi, je t'en supplie. Je suis déjà en danger. C'est trop tard. Et toi aussi. Donc maintenant, tu restes calme. Ça va bien se passer. Mais tu sais qu'il va pas te laisser te repartir alors qu'il sait qu'il te... Il va me laisser repartir. Je vais pas voler. Y'a rien dans les entrepôts. Il peut pas cramer que c'est moi. C'est bon? Comment tu veux qu'il crame que c'est moi déjà d'une? C'est pas moi? Et y'a rien dans les entrepôts. Et tu sais pas qui c'est qui l'a fait? Je sais pas c'est qui, mais y'a un mec qui a voulu me mettre sur le coup. Et t'as des ennemis en ville? Y'a qui aurait pu te mettre dans la merde comme ça? Tu sais, les ennemis, c'est peut-être pas toujours leur visage. Hein. Les gens ils te veulent du mal et tu sais pas c'est qui. Ouais. Écoute, je sais même pas dans quel bled on est. Je vais faire ce qu'il me dit, je vais l'écouter et je me barre. Ok. Pour l'entrepôt, c'est pas grave. Ouais, je suis désolée. Je vais faire obstruction. Il est où l'autre? Je sais pas. Il t'a parlé de quoi d'autre? Dis-moi tout ce qu'il t'a dit. Non, c'est tout. En vrai, ils m'ont pris et après, ils m'ont laissé avec la panthère et après, j'en sais rien, tu vois.
Et il t'a menacé pour que tu dises que c'est à l'entrepôt, je sais pas quoi, là? Bien sûr. Il m'a dit tout à l'heure, il est revenu. Il m'a dit que t'allais pas nous sauver, que t'en avais rien à foutre de moi. Et du coup, il m'a dit si tu veux pas te prendre du plomb dans la tête, il m'a dit, dis-moi des informations que tu peux avoir. Et moi, je lui ai dit que j'avais rien sur toi, à part juste ça, tu vois. C'est la seule info que j'avais, c'est tout, et encore, tu vois, c'est... Ok, bon, reste là. Je finis le travail. Fais attention, s'il te plaît. C'est bon, Ricky. C'est bon. Vous avez parlé un peu. Hein? Ça t'a fait du bien. Ouais. Ça t'a libéré. Un peu. Parfait. T'es sûr que t'as rien à me dire, Wesley? T'as dit quoi? Sois compétent. Quoi? Si Emilio m'a dit ça, c'est qu'il... Écoute, non, on peut aller voir Emilio tous les deux. Je t'ai dit que je suis même pas au courant de ce que tu veux. J'ai pas besoin d'aller voir Emilio, tu le sais. J'ai pas besoin d'aller le voir. Je suis convaincu quand il me parle. Et dans tous les cas, si je récupère pas mes lingots, je risque de mourir. Alors autant lui ramener une preuve tangible comme quoi j'essaie de les rechercher, tu comprends? Il va pas me tuer alors que c'est même pas moi qui a pété tes trucs. Wesley! Je te viderai jamais. Je te viderai jamais. Je piterai l'intérieur de toi, Wesley. Il faut que tu puisses grandir de l'intérieur. Tu vas sentir les gens autour de toi mourir petit à petit. C'est à ce moment-là où tu comprendras c'est quoi avoir la haine, la rage de rester en vie et de vouloir protéger les siens. Tu me suis ou pas? Tu penses réellement qu'elle allait sortir aujourd'hui? T'as dit quoi? Entre toi et moi, Wesley. Ouais, j'ai compris. Tu veux tuer tout le monde, ok? Non, je vais pas tuer tout le monde. Simplement te remettre la faute à chaque fois, parce que c'est ta faute. C'est pas ma faute, j'ai même pas... Le problème, c'est que tu vois jamais le mal. Je comprends, tu t'es fait voler je sais pas combien de lingots, mais... Tu vois bien que c'est pas moi, j'ai tout fait pour récupérer tes 4 putains de lingots, j'ai braqué une Pacifique, j'ai failli être recherché par toute la ville... Et j'ai toujours pas mes lingots. C'est pas si, je t'en ai donné 4, tu m'en avais mis 4. J'ai braqué la banque pour 4 lingots. J'en ai pris 4 et je me suis cassé. Et pourquoi t'en as pris 4 alors que tu tapes une banque? Et parce que tu m'en as demandé 4. Et du coup, t'as servi juste ces 4 et t'es parti. J'ai pris les 4, je me suis barré. Je t'en aurais ramené 6, tu m'aurais dit. C'est pas 6 que je t'ai demandé, Tio. T'en ai demandé 4. Là, je te ramène 4. T'es pas content? J'arrive pas à comprendre l'objectif de braquer une banque pour en prendre uniquement 4. Tu comprends? Mais bon. Bah, l'objectif, c'était que c'était ma seule chance. Pour que tu comprennes que j'ai les grosses couilles et que j'ai les couilles de braquer une banque pour te ramener tes putains de lingots alors que je suis même pas dans ton histoire. Ouais. C'est juste ça parce que t'avais elle. Ouais. Alors qu'elle avait rien à voir. Elle n'avait rien à voir. Tu penses réellement qu'elle n'avait rien à voir? Elle n'avait rien à voir du tout. Ah oui. Elle fait partie de ta vie. Du coup, si tu prends des risques, tu penses pas à ceux qui t'entourent. C'est comme ça que m'a appris les Mexicains à vivre. C'est que si tu commences à faire une connerie, faut faire attention avec qui tu t'entoures. Parce que c'est les premiers à pouvoir manger les dégâts collatéraux. S'il y a une merde, tu comprends? Et là, justement, il y a une merde. Il y a une putain de merde. C'est que t'as essayé de me baiser. Toi ou ton équipe ou peu importe. Quelqu'un dans cette ville a essayé de me baiser. T'es pas le premier visé. Il y en a d'autres qui ont succombé aussi s'il le fallait. Mais malheureusement, il va falloir que je trouve des personnes. Regarde où on est. Tu penses pas que c'est le meilleur moment pour comprendre que tu n'es pas réellement dans ton monde, Wesley? C'est le mien. Mais tu vas finir par le comprendre très vite. Je suppose que tu es assez intelligent pour le comprendre. Je comprends pas, Ricky. Tu veux que je fasse quoi de plus? Non, tu ne comprends pas. Je sais pourquoi tu ne comprends pas. Tu n'as pas encore compris la leçon de Zach, je crois. C'est ça le problème. C'est que tu n'as pas compris. Parle pas de Zach. Je parle de qui je veux. Et malheureusement, si Zach... Écoute, est mort, la différence entre toi et moi, écoute-moi, la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu m'as vraiment volé. Moi, je t'ai rien volé. Toi, tu m'as volé. Ah oui. Le jour où t'as dit à Emilio qu'on n'avait pas donné la manette alors que tu t'es fait les 2 millions sur ton compte. Tu te rappelles de ça? C'est toi ouais, qui m'as volé. Rappelle, ouais. Moi, je t'ai pas volé. Et moi, j'ai la preuve que tu m'as volé. Tu l'as fait sous mes yeux. Moi, je t'ai rien volé. Toi, tu me l'as fait dans mon dos. Tu m'as griffé dans le dos. Comme une panthère. Je préfère que tu le fasses devant moi.
Comment je peux te dire de A plus B que c'est pas moi qui ai volé tes putains de lingots de merde? Faut que je te le prouve comment que je te l'ai pas volé? On va regarder les entrepôts. Eh ben viens, on va dans les entrepôts là maintenant. On est en cours, on est en train d'y aller. Tu as besoin de respirer, petit. Viens, on va faire un tour. Qu'est-ce que tu en penses? Viens avec nous. Amène-toi. On va faire un petit tour. On va respirer un peu. J'ai l'impression qu'il est un peu... Ouais, ça s'appelle frustré, je crois, le mot. Ouais, c'est frustré, ouais. Le mec m'a volé 2 millions d'euros. Mais moi, il a zéro preuve et il dit que je vais voler. Il est bon, lui, il est bon. Je t'ai volé du papier, je t'ai pas encore volé ton cœur. Attends encore. Ok, Roméo. Pour durer le spectacle. Ouais. Ah ouais, ils m'ont laissé rentrer jusqu'ici, ça. On peut y aller. Ok. On va faire un petit tour, qu'est-ce que t'en penses? On va visiter un peu Cayo Perico. Je suis jamais venu, ouais. J'espère pas revenir en vrai, hein. Ah, oh, je crois que la prochaine fois que tu viens ici, c'est pas forcément pour les mêmes raisons. Ou peut-être dans un sac. Ou une bâche. On va où, là? Ouais, je t'entends, ouais. Donne-moi la position. On va te rejoindre. On va où exactement? Ok. Très bien. Tu vas monter, tu vas attendre 2 minutes, ok? Ok. Toi, tu vas avec moi, Madame North. Ricky, j'ai une question. Ouais. On a fait un deal? Ouais, on a fait un deal. Elle monte avec moi dans l'hélico, là. Je vais arriver. Je m'occupe juste d'un truc. Et je m'occupe de toi. Amène-toi, Madame North. J'arrive. Ah, je peux pas vous le dire de moi-même. Qu'est-ce qui branle? Madame North. Madame North, c'est la qui exactement? On sait rien. J'ai de voir où il va là. C'est pas le nom de Poppy, ça? De quoi? Non, c'est le nom de qui? C'est comment son prénom? Poppy. Ouais, c'est Poppy, c'était la concessionnaire. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui branle? J'entends crier. Ah ouais, de moi aussi. Le mieux, c'est de rester d'ici. C'est un petit peu inquiétant. Bouge pas. Vous devrez rester d'ici, hein. Comment? Hein? Vraiment, restez d'ici dans l'hélicoptère, s'il vous plaît. Je la vois plus, là. Restez d'ici, vous inquiétez pas, et vous revenir. C'est pour vous que je le dis ça.
bonté de l'intérieur. Vraiment bonté de l'intérieur. Il pète les couilles, ce Ricky de merde. Oh. Parce que... Restez ici, restez d'ici. Restez d'ici, ce n'est pas une bonne idée. L'argent. Restez d'ici. Ok, très bien. Allez, revenez. Faites pas les bêtises. Revenez, rentrez dans le véhicule, monsieur Wesley. Il a fait quoi, ce fils de pute? Restez pas ici, rentrez dans le véhicule, monsieur Wesley. S'il vous plaît. Poupi, Ricky. On peut y aller. Regarde-moi, pour Ricky. Ok. Ricky. Bande dans l'hélico, bonhomme. N'oubliez pas de mettre vos casques. Ricky. Bande dans l'hélico, je t'ai dit. Oh, c'est toi qui as tiré? C'est toi qui as tiré ou pas? Des mouches. Fallait que j'évite des mouches, simplement. Tu sais, il y avait 1 milliard de mouches à droite à gauche. Ça commence à me casser les couilles, tu me prends pour un con, petit. Bon, Ricky. T'as mangé sur plein de choses. Ouais, comme quoi, par exemple, hein, continue à me baiser, que tu essayes de faire en sorte que de me ramener des équipes, pour essayer encore de me baiser, moi, que je... tout le monde essaye de me baiser dans cette putain de ville, que jamais j'arrive à avoir le dernier mot parce que tout le monde essaye de me prendre pour un con dans cette ville, c'est ça? Mais moi, hein, on s'est jamais... On va en arriver où, exactement, hein? Tu m'expliques? Mais on s'est jamais rencontré. On s'est jamais rencontré. Je vous ai jamais baisé, j'ai rien fait contre vous, je vous connaissais même pas avant tout ça. Moi, je suis dans rien dans toute cette histoire. Eh bien. Mais justement, on peut peut-être trouver un arrangement, il n'y a pas que des gens malhonnêtes ici. Mais malheureusement, vous avez traîné avec des gens malhonnêtes. Mais oui, mais c'est pas parce que j'ai traîné avec des gens malhonnêtes que je suis malhonnête. Oui, certainement, oui. Bah oui. Mais malheureusement, vous l'êtes. Et vous le savez autant que... Je vais tirer 3 fois en l'air. Tu vas te jeter derrière. Tu vas changer d'identité. Tu ne vas plus donner aucune nouvelle à personne de qui tu connais. Si j'entends ton nom ou ton visage quelque part, je t'abats. Sur D'accord. place. Tu as bien compris. J'ai compris. Très bien. Tu n'as rien à voir, mais fais attention avec qui tu fréquentes. Tu risques d'être dans la merde.